il y a une heure, à Washington, regardez sur la place de la Liberté à Washington. Voilà ce qui se passe. Alors imaginez demain. Voilà, la place de la liberté aux États-Unis à Washington commence déjà à être blindée et ça va être pire demain parce que ben on l'a vu hein, tout à l'heure sur ces images hein, on a pu voir justement qu'ils étaient en train d'arriver en masse. Voici un peu encore les images qu'on a vues tout à l'heure chez nos amis de QAQ. Les gens se déplacent par milliers. Ils attendent entre 1 et 2 millions de personnes demain aux États-Unis, à Washington. Et on sait aussi aujourd'hui, de sources sûres, eh bien, que la garde nationale sera présente, se déplace en masse vers Washington en ce moment même pour avoir le plus de sécurité possible. Voilà, ça c'est la garde nationale qui roule vers Washington DC pour être présente demain. Voilà, les mecs qui rigolent pas. Ils ont quand même les véhicules qu'il y avait en Irak et en Afghanistan lors de la tempête, de la tempête du désert. C'est le type de véhicule 4x4 américain.